Et bonjour à tous amis, j'espère que vous allez bien. On est en partance pour le carré numéro... Putain, ça tourne. Le carré numéro 12. Et aujourd'hui, on va voir la BMW série 1 M Motorsport. La BMW série 1 Motorsport. C'est tout. Ça fait très classe. Ah go putain pour une BM, les gars, vas-y, balance l'intro là. Donc voici la petite oh c'est beau, oh putain. Alors Alcantara, on voit rien, désolé. Alcantara et le tissu basique qui marche très bien. J'ai essayé de m'installer à l'arrière. Putain, le siège est bien pas mal reculé. Hein. Donc voici un petit peu le poste de pilotage de cette M1. C'est la 116D. Cette série 1, c'est très très cool. Alors on ne voit rien, les intérieurs sont très noirs. Donc je vous mettrai quelques petites spécifications dans la description, je les ai pas forcément là. Le volant avec badge M, etc. Là j'aurais bien envie de vous le montrer, mais le gars va un petit peu drisser. Il y a le M sur le petit pommeau. Hein ? Elle est ouverte. Bah oui, bien sûr qu'elle est ouverte. On va essayer de passer à l'avant. C'est très beau, hein. Putain. Alors on a aussi le petit bas de porte M. Très très beau. En métal et tout. Hey, là, tu te sens arrivé chez BM. Je mets même pas les pieds, tu sais quoi. Je veux même pas l'accélérer, je rentre même pas les pieds à l'intérieur. Donc, ouais, bah c'est très cool, les gars. Regardez-moi. Oula, pardon. Petite boîte à gants, comme d'habitude, en fait, des familles. C'est le truc, en fait. C'est... Alors, on a le petit écran multimédia qui est un peu petit en fait par rapport à la concurrence. Boîte 6, pommeau en cuir qui marche très bien. La petite molette de sélection. Très bien aussi. Ah ouais, d'accord. Petit rangement ici. Oh, c'est bien, c'est cool. Il me semble peut-être qu'on peut faire de l'induction ici, pardon. On peut peut-être faire de l'induction ici, ou alors c'est... Non, je sais pas trop. On va éviter de tout casser. Il y a le start and stop dessus, automatique. Donc le petit volant là en cuir. Oh la vache. Avec le... Pardon, avec le M ici. Putain, on voit pas bien. Hein. Avec le M, voilà. Badge M et tout, avec le moyeu rond. C'est du BM, les compteurs digitaux, c'est du, ouais, c'est pluriel, donc voilà. Les petits, ok, il n'y a pas de batterie, c'est pas grave, les, on voit rien du tout, mais en fait, il y a les petits boutons de SOS, etc. Le ciel de toit noir, bien sûr, hein. Petite ceinture aussi, elles sont très bien. C'est Alcantara tissu, c'est bien, plastique moussé, non? Ah, oh, ouais, peut-être, je sais pas trop. Je sais pas. Ah si, moussé là. Moussé là, mais pas trop au-dessus, j'ai l'impression. Et moussé sur le tableau de bord, bah oui. Hein. Tiens, c'était pas marrant. Petite climatisation. Belle climatisation, tout est bien fait. C'est une diesel. C'est une diesel, merci. Ouais. Bah oui, 116D. C'est une diesel. On a le parking automatique ici. T'as un bouton pour qu'elle se gare toute seule, en fait, tu sais. Eco Sport Sport, là, une petite molette de sélection. L'ESP, tu peux désactiver l'ESP parce qu'il est activé d'office, mais tu peux le désactiver si tu veux t'amuser un petit peu. Voilà, que vous dire de plus? Pas grand chose, hein, c'est beaucoup du noir, le ciel de toit est noir, tout est noir, donc voilà. Mais ces petits rappels très beaux là, on l'a acquis et tout, c'est vachement bien. Ah ouais, merde. J'ai failli mourir. Le bâtard, il était là. Tiens, alors au passage, j'ai le série 2 Active Tourer ici avec le coffre, c'est juste incroyable. Hein. C'est incroyable. On va aller voir un petit peu l'avant de cette M1. Regardez, c'est badge M. Badge M, c'est très belle, très belle jante d'ailleurs. Oh la vache. BMW LED. Alors là, on n'est pas chez les pourris, mais voilà. Que c'est beau. Donc en passant, je vais essayer de vous montrer les prix de location de cette M1, si je vous dis pas de bêtises. Alors, où est-elle? Là. En 5 portes, série 1, ici. Vous êtes à 300€ par mois. Sans apport, entretien, extension, garantie inclus. Bien sûr, hein, vous n'êtes pas chez BM pour rien. Donc voilà. Oh putain!
Eh, le siège il m'a attrapé. Non. Alors voilà un petit peu, c'est très noir, hein, très sombre, j'y peux rien. Voici un petit peu le poste de conduite de cette M1, rapidement, voilà. Volant cuir, tout le bazar, ça je l'ai déjà dit, il me semble. Voilà, ben, c'est bien, hein, c'est cool aussi quand on est place conducteur. Hein. Avec les petites places derrière, on voit rien, magnifique. Il est bien aussi le série 2 Active Tourer, mais bon. Salut. Ça va? Ça va. Donc voilà, assez rapidement, sans trop de chichi, sur cette M1. En fait, les gens, on s'enferme dedans, mais les gens, voilà, ils auraient peut-être voulu venir voir là. Donc, on se quitte dans une BM, c'est incroyable. C'est la première fois dans Carrette. Je vous laisse, parce que moi, je vais peut-être y aller quand même. Je vais laisser les gens venir voir. Je vous laisse. Je vous laisse caractéristiques dans la description de cette 116D. Et puis on se revoit dans l'épisode 13 de Carrette. Comme d'habitude, là je sais pas ce qu'on ira voir, hein. On verra. Voilà. Si vous voulez qu'on retourne voir un de ces 4 BM, ben encouragez-moi parce que c'est pas la dernière. Honnêtement, ouais, c'est chaud d'aller voir BM comme ça. À dans 2 semaines dans Carrette. Ciao, merci.